Alors, Simon Nobili, société Lyon Biscuit, et je suis le président de la société. Alors, notre entreprise est dans un secteur que l'on pourrait appeler le contenant consommable, plus exactement les cônes, les coupelles, pour la glace, mais également pour les desserts, essentiellement. Alors, cette entreprise existe, on retrouve les traces depuis 1900, avec les marques Labasquaise et également Lyon Biscuit. Ces deux sociétés ont été regroupées à Lyon, dans un même établissement et dans les années 80 ont été délocalisés pour se retrouver dans la Drôme, dans d'anciennes usines de chaussures qui avaient beaucoup plus de place et les usines avaient fermé et donc il y avait énormément des vieux bâtiments des années du début du siècle dernier. Voilà. Et depuis, la société s'appelle Lyon Biscuit et Labasquaise est la marque en grande distribution et Lyon Biscuit pour les professionnels. Alors Lyon Biscuit, à l'origine, cette société était en 1935 a été créée à Lyon, comme Labasquaise en 1900 dans le Pays Basque. Alors en grande distribution, la marque Labasquaise, qui présente les produits de cônes et coupelles vides, sans la glace, pour laisser le choix justement au consommateur de prendre la glace qu'il souhaite. Et actuellement, on travaille avec tous les distributeurs de la grande distribution et on représente à peu près 80% du marché. C'est une niche, hein. c'est pas non plus un très grand secteur, mais c'est un secteur qui est très spécifique et qui a du mal à se positionner et donc le consommateur a du mal à le voir. C'est pour ça que bientôt on présentera de nouveaux présentoirs pour justement se rapprocher du client. En ce qui concerne la marque professionnelle, Lyon Biscuit, très spécialisée chez les glaciers, les professionnels de la glace, mais plus au niveau artisanal. On est moins présent car on a un produit très haut de gamme, de haute valeur gustative et très dédié aux très grands glaciers qui veulent mettre en évidence leur glace. Oui, dans les deux gammes professionnelles et particuliers, on propose les mêmes produits avec des boîtages bien évidemment différents et dédiés à ces deux types de consommateurs. Que ce soit sur la gamme professionnelle ou particulier, en fait, on a les mêmes produits. On peut se axer sur la typologie des produits. Donc, il y a une première typologie de produits, ce sont les cônes, tout simplement, qui sont émoulés et roulés. Donc, aujourd'hui, c'est appelé également cône américain, qui est un produit qui était à l'origine un produit allemand et qui était en fait une crêpe qui était roulée et qui permettait justement de mettre de la glace et porter de la glace. Et on fait un produit très pâtissier, très artisanal, car on peut dire que nous sommes une entreprise un artisan industrialisé ou une industrie artisanale. Et donc avec des produits mouchetés et avec une qualité ergonoéliptique très développée. Voilà. Ensuite, nous avons également les produits, les coupelles, ce qu'on appelle les coupelles et mini-coupelles avec un chocolatage à l'intérieur qui permet justement de pouvoir avoir une consommation de glace ou de dessert, de salade de fruits, assis, posé et avec un contenant. Et c'est un produit que l'on a inventé il y a 20 ans et qui se trouvait également dans la restauration rapide, la société Quick, pour un produit qui faisait un dessert, le Sunday, où ils avaient la coupelle chocolatée avec de la glace à l'intérieur. Voilà. Après, bon, ils sont passés sur d'autres produits, ils ont fait évoluer ce produit. Voilà. Donc, et ensuite, nous avons défini des mini coupelles qui permettent justement et surtout à la consommation en foyer pour préparer des petites boules de glace, pour avoir un assortiment de glace ou de dessert avec des petites bouchées. Et enfin, nous sommes en train de développer une nouvelle gamme de produits pour aller dans l'air du temps, du café et surtout des cafés gourmands, où nous avons mis au point une coupelle, qu'on pourrait dire une tasse, que l'on appelait mug, pour justement boire le café en accompagnement du café gourmand, qui est un produit très valeur ajoutée et qui permet d'aller dans le développement aujourd'hui du café gourmand dans la restauration. La société Lyon Biscuit est une entreprise, une industrie, mais on pourrait dire c'est une industrie artisanale, voire un artisan industrialisé. C'est une petite PME dans la Drôme qui représente une vingtaine de salariés avec un renfort l'été de personnel supplémentaire qui se trouve de toute façon dans la région pour justement pouvoir aider à l'effort en pleine saison, car c'est une société très saisonnière.
Le contexte économique français aujourd'hui est dans une bonne situation, dans le sens où on a passé les moments les plus difficiles ces quelques dernières années, avec les crises en Europe, les crises financières, des banques. Et aujourd'hui, il faut vraiment s'axer sur le développement, sur les nouveaux marchés, sur un nouveau dynamisme qui se crée chez les jeunes et sur les nouvelles modes de consommation. Voilà. Et il faut surtout ne pas trop regarder derrière soi et aller vers l'avant. Alors aujourd'hui, malheureusement, il est toujours très difficile de se lancer parce que, évidemment, les aides, les pourvoirs publics, l'ensemble de la situation économique n'est pas favorable pour aider à lancer. Mais en revanche, il faut vraiment avoir du courage et il ne faut pas penser à tout ça et il faut se lancer sans trop réfléchir et essayer de trouver des entreprises qui peuvent aider, sur lesquels s'appuyer, parce que tout chef d'entreprise ne voit que d'un bon œil de voir des jeunes en train d'essayer de sortir de nouvelles idées, de nouveaux marchés, de nouveaux produits pour justement de nouvelles consommations. Alors, ce que l'on pourrait espérer pour l'entreprise, c'est justement de continuer son développement, de réussir les lancements des nouveaux produits, de pouvoir grandir, doubler son personnel, bien évidemment, et toujours en développement avec la région. Et ensuite, pouvoir attaquer les marchés également européens avec sérénité et avec beaucoup de positivisme.